l'équipe qui reçoit, elle a tendance à se sublimer. Et là, il faut répondre présent. Alors, soit tu réponds présent collectivement. C'est un facteur qui est uniquement psychologique, hein, Jérôme. Il y a des attitudes qui changent, ce que je veux dire. C'est psychologique, c'est une attitude. Non, parce qu'il y a des façons de jouer, en fait. Il y a des tactiques qui sont mises en place, c'est pas que psychologique, t'es d'accord, Daniel ? Dire, il y a des entraîneurs. Regarde, Koscielny, ce qu'il dit. Il dit, on peut pas jouer de la même façon à domicile qu'à l'extérieur. Donc c'est bien qu'il y a un changement tactique à mettre en place. L'équipe adverse, et on est encore dans l'ordre du psy, l'équipe adverse. Quand il dit on ne peut pas jouer de la même façon à domicile qu'à l'extérieur, déjà il y a son attitude à lui et il y a l'attitude de l'équipe qu'il rencontre. Parce qu'exactement en vase communicant, l'autre se dit je suis à domicile, donc je me dois d'être plus performant, parce que je dois faire le jeu, parce que j'ai plus... En fait, ce ne sont que des questions d'attitude. Oui, mais le facteur c'est plus pour l'équipe qui reçoit, t'es d'accord ? Que l'équipe qui va à l'extérieur. Arsenal, non, en fait. Celle qui se déplace, elle se dit aussi, bon, peut-être qu'il va falloir que je défende. En fait, il faut du répondant, pas que physiquement, il faut du répondant techniquement. Dire, il y a des joueurs, et c'est pour ça, moi, j'en reviens à dire que depuis pas mal d'années, il y a des bons joueurs Arsenal. Je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs, il y a des bons joueurs, mais est-ce qu'il y a des joueurs de classe ? Non, c'est pas du gratin international. C'est ce qui fait la différence. Et un grand joueur fait des différences. C'est pour ça qu'on est tellement déçus d'Ozil et que Ozil a très peu joué à l'extérieur sous Unai Emery. Il jouait avec Wenger, mais il était triste à mourir. C'est la même chose. C'est que Ozil, on attend de lui qu'il ait cette patte-là, même sur les matchs à l'extérieur, qu'il laisse une empreinte sur son équipe. Et quand Ozil, et je le disais, à domicile, ça se voit, dès qu'il touche le ballon et qu'il est dans le bon tempo, il éclaire le jeu, il est magnifique. À l'extérieur, il pêche. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que Xhaka, à ce que Torreira, à ce que Guendouzi, ils soient maîtres du jeu. C'est des bons joueurs, je répète, mais ce n'est pas des joueurs de classe. Ce n'est pas des joueurs qui, pour l'instant, sont dans les top players à leur position. Et c'est ça qui fait défaut à Arsenal. Et c'est pour ça que je te dis, tout à l'heure, on s'amusait au jeu, la valise, pas la valise. Je te parlais de Francfort qui peut remonter. Attention Arsenal à Naples. Parce que Naples, s'il retrouve, il faut que Naples change. Il faut voir dans quel état d'esprit Naples sera. Exactement. Est-ce que Naples a réellement envie ? Je ne peux pas croire le contraire, parce qu'en championnat, c'est calé. Ils ne sont pas champions. Et ils ne peuvent pas sortir de la zone Ligue des Champions. Donc il n'y a plus que ça. Je mets Naples. La qualification de Naples ? Ouais, mais la valise. Tu mets pas. Non. Tu le mets sur quel match, le ding-dong ? Ding-dong ? Valence. Ah ouais, tu prends pas beaucoup de risques. Et Chelsea. Ding-dong. Ah bah non, moi j'ai pas envie qu'elle découvre ça. Ah bon, t'es sûr ? Ah oui, ça, les deux, Chelsea et Valence. Ding dong ! Je prends pas de risque. Comment le pronostic ? Écoute, on m'a donné l'adresse. Maintenant, on m'a donné l'adresse. Donc maintenant. Celle-là, c'est la meilleure. Maintenant, le pronostic. Ouais. Tranquillo, tanto mia moglie è in viaggio, no? Viene a casa, c'è il gatto, che ne so. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Quelle surprise, c'est magnifique quand même. Énorme surprise. Regarde, il est en sueur, Simone, il a mis une idole. Il a peur. Grande. Maman, Rocco.